6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h31, soyez les bienvenus sur Énergie. Juste après les infos, je vous dirai comment perdre du poids sans faire d'exercice. C'est bien. Ça, c'est bien. Et aussi, comment éviter la gueule de bois. Enfin, l'éviter, non, une fois que vous l'avez. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut prendre pour l'avoir un petit peu moins. D'accord. Ça va intéresser tout le monde en ce lundi matin. 8h31, voici avant tout ça les infos. On s'écoutera Maître Gims aussi juste après. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil ne va faire que de courtes apparitions ce matin en Vaucluse. Ce sont les nuages qui auront le plus souvent le dessus, donnant parfois des pluies éparses. Le soleil reviendra plus généreusement en fin de journée. Au thermomètre, 14 degrés ce matin à Avignon et 21 d'annoncé au plus fort. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfête, le spécialiste de la fête au Pontet. La victoire du FN à Brignoles hier. Laurent Lopez, le candidat du Front National, a remporté les élections cantonales dans cette ville du Var. Une élection déjà remportée de 5 voix en 2011 par ce parti, mais invalidée. Le frontiste a battu la représentante de l'UMP. Le PS, éliminé au premier tour, avait pourtant appelé à faire barrage à l'extrême droite. Après Carpentras-Nord, Brignoles est le deuxième canton qui passe au FN dans la région et en France. On reste dans la région, plus proche de nous, à Marseille. Nouveau fait divers dans la cité phocéenne. Un homme de 27 ans, gérant d'un snack, a été poignardé hier soir dans les quartiers nord. La victime était connue des services de police pour des petits délits. À Avignon, les flammes ont détruit la toiture de l'ancien garage Renault sur le boulevard Saint-Michel samedi soir. Les pompiers ont dû intervenir pour un nouveau départ hier matin dans ce bâtiment désaffecté. Il doit bientôt être transformé en appartement. Pas de foot ce week-end, mais du rugby. Les clubs français ont plutôt bien réussi leur entrée en matière en Coupe d'Europe. 5 victoires sur les 7 équipes engagées. Deuxième journée des phases de poule programmée vendredi, samedi et dimanche. Puis l'Actu Sport, c'est également du volleyball. Deuxième journée de Ligue B. Et Orange s'est une nouvelle fois incliné ce week-end. 3-0 à Arnes. L'Azon est déjà dernier du championnat. Ça va bien en revanche pour Avignon. Nouvelle victoire de la VB. 3-7 à 2 à Saint-Brieuc. Les Avignonnais sont 3e. La 9e édition de Drôle d'Hip-Hop, ça commence demain, mardi. Les cultures urbaines à l'honneur avec de la danse, des spectacles, des ateliers, des films, l'art urbain quoi. Une longue histoire pour Benoît de la MJC d'Apt. En France, on en parle depuis bientôt 35 ans. Ça fait bientôt 35 ans qu'elle est considérée comme une culture émergente. Ça fait bientôt 35 ans que pour réaliser un événement de ce type, on a besoin d'aller chercher des crédits de lutte contre la délinquance. Alors que ça fait bientôt 35 ans que la culture elle est intégrée dans la société, qu'elle fait partie de la vie de tout un chacun. Et que la culture, elle a pu s'impliquer dans notre monde. Voilà, ça fait 35 ans qu'elle est légitime, mais ça fait 35 ans qu'elle est regardée du coin de l'œil. La culture urbaine, Drôle d'Hip-Hop, coup d'envoi demain un peu partout en Vaucluse. Tout le programme est à retrouver sur le net, dhh84.com. Voilà pour vos infos. 8h34 sur Énergie Avignon, c'est Manu dans le 6-9. Très bon début de journée à vous, bon début de semaine. Bienvenue dans ce lundi 14 octobre 2013, c'est une nouvelle journée qui s'offre à nous. Ne le prenez pas mal ce lundi, ne lui en voulez pas, ne vous dites pas putain merde c'est le week-end qui se termine, c'est lundi, c'est chiant. Non. Ah bah non. On l'aime ce lundi, on le cajole, on le prend dans les bras, faites un hug au lundi. Serrez-le fort dans vos bras et vous allez voir, il va bien vous le rendre. On est là avec vous comme chaque matin, Mélanie est à mes côtés. Bonjour. Auriel est au standard. Salut. L'équipe est là. Ouais. Vous nous appelez en nous appelant au... Vous nous appelez en nous appelant, et bien après. Vous nous rejoignez en nous appelant au 0870 42 48. On va s'écouter Maître Gims dans 3 minutes. Il y aura aussi Dubs, Sean Paul. Tout ça c'est avant 9h. Vos hits préférés sont là comme chaque matin. Le Super 06 arrive dans 3 minutes avec un magnifique message à 7 ou 8 grammes d'alcool. Ça va ne pas manquer dans le Super 06, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Mais avant tout ça, je vais vous aider dans votre vie avec deux infos que j'ai trouvées sur comment se sortir d'une gueule de bois. Ouais. Et comment perdre du poids. Par quoi vous voulez commencer, Mélanie? Oh, le poids. Le poids, c'est parti. Alors en fait, c'est un truc que j'ai vu sur internet tout con. Je sais pas si ça marche. Ils expliquaient, en fait c'est quelqu'un sur un forum qui expliquait que pour perdre du poids sans se compliquer la vie, il suffit de faire ça. À chaque fois que votre téléphone sonne, vous le prenez et en décrochant, vous commencez à marcher vite. Et vous vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas fini votre conversation téléphonique. D'accord. Ils ont calculé que si par exemple en moyenne chaque heure vous avez une conversation de 5 minutes au téléphone, si tu marches normalement, pas super vite mais normalement, tu fais 3 km par jour.
C'est bien ça. C'est pas mal, non, Nico du web. À chaque fois que ma copine prend le téléphone, c'est au moins 45 minutes. Donc ça lui fait un jeu cru. Hein. C'est chouette. Pas mal, non, ouais. C'est génial. Ouais. C'est pas compliqué. Alors évidemment, si t'es dans une pièce, bon bah tu tournes en rond. C'est pas grave. Mais pensez à vos fesses pour cet été prochain. Ouais. Et ça, c'est important. Deuxième info, selon une nouvelle étude, la meilleure façon de soigner une migraine le lendemain de cuite, autrement dit la gueule de bois, et ben c'est de boire du Sprite. Ah oui, Sprite. Du Sprite. Du Sprite. Du Sprite. Du Sprite. Oriane au standard. Donc bon, tu grossis pour le coup, mais au moins t'as plus mal à la tête, quoi. En gros c'est ça. Je sais pas, le Sprite ça fait grossir. Bah oui, comme t'es le coca. T'es pas obligé d'en boire 8 canettes aussi. Hein, c'est ce que je veux dire. Tu prends du Sprite, c'est une étude très sérieuse. C'est la boisson qui te fait le plus rapidement enlever cette gueule de bois, ce mal de crâne que t'as. Parce qu'il y a des trucs chimiques dedans, c'est pas trop. Et attention, si vous pensiez que c'est le thé, eh ben c'est le pire. Ah bon, ouais. Voilà. Oui, je pense à toutes les filles qui disent je vais me faire un thé parce que je me sens pas bien. Bah oui. Ouais, Mélanie qui est déjà vieille dans sa tête. Et ben non. Le thé, c'est ce qu'il y a de pire lorsqu'on a la gueule de bois. Flûte. Voilà. Parce que quand vous buvez du thé, après vous dites des mots comme ça. Vous dites flûte. Non, ne devenez pas grand-mère. Elles sont bien mes deux infos ou pas? Ouais, ouais. C'est top. Radio Santé, bonjour. 8h38 sur NRJ. Voici Maître Gims. C'est Manu dans le 6-9. Comme chaque matin, on est là avec vous. On démarre ensemble ce lundi 14 octobre. Bon réveil, bienvenue. Je bosse, toi, tu n'es pas tard.